Rocky Mountain. Bon bah on le fait comme l'autre hein. Ah ouais. Je crois que la fin est ici. Ah ouais mais du coup on ne voit pas le niveau. Ah mais c'est un extra ça. Il devrait le voir en entier ça. Fini. Bon non je rigole. T'inquiète pas mon gars TD, je suis pas allé dans le... Je suis pas allé à la fin. Je te laisse découvrir les merveilles de la nature. C'est du même... vraiment le même type que l'autre là dans la neige. La Snow Mountain. Ils ouais. ont changé Snow par Rocky, c'est bon. Original level. Putain, tu finis par croire que c'est presque la même map en fait. Bah c'est peut-être un dérivé. En fait... Les légendes, non je déconne. Mon imagination dit que ce niveau c'est Snow Mountain mais en été. Oh, franchement ça pourrait. Ou alors tu sais dans à une autre époque. Avant qu'il fasse oui. Allez j'attends que je m'essouffle et puis après je te laisse crever. Bing. C'est merde. Par contre, en plus quoi, en plus dans ce niveau, ils ont fait tout pareil que Snow Mountain quoi. De la même façon, tu peux rusher le niveau et le finir en deux secondes. Ils ont tout pris. Par contre, je me suis pas trop parce que là, ouais, c'est pas par là où il faut finir le niveau. C'est tellement ouvert comme truc. Tu respires par rapport au précédent. En plus, le pire, c'est que tu vois, le niveau est ouvert, mais les chemins pour marcher sont étroits. Ouais, ils ont mélangé les deux concepts. Putain, j'ai pas envie d'être Sonic, hein. Ce jeu a été fait pour jouer avec Tails. Clairement. Putain, j'ai tellement un sentiment de liberté dans ce niveau que j'ai envie de faire ça, quoi. D'ailleurs, j'ai fait activer un petit truc. Voilà, comme ça, la caméra va mieux suivre Tails. Et je meurs. Ça, c'est con. Hop là, t'es déjà là. T'as comment Tails en plus c'est pas... Fail. Mais du coup, ce niveau, il me paraît encore plus énigmatique que Snow Mountain. Ouais, mais après, le moyen de finir ce niveau, il est pas si compliqué que ça. Hein. D'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir foutu ça? Ah non, oh merde, bah je suis con moi. C'est ici qu'on commence. Et je me suis encore suicidé. En fait, je crois que ce niveau, je vais le surnommer le niveau où tu rates tes sauts parce que t'as l'impression qu'il est tellement facile, mais en fait, il est pas si facile que ça. Mais Snow Mountain, c'est plus court. Rock Mountain. Snow Mountain, tu tours à 90 degrés à gauche, tu fais un bon gros spin dash, tu voles et c'est bon. En plus, là, tu t'as bien vu que ce niveau, quoi, c'était bien au début, parce que, comme la dernière fois, j'avais un peu fait de la n'importe quoi, et après, je suis revenu au point de départ pour te montrer, et le chrono est environ à 20, tu m'avais pas trop cru. Allez. Voici Manga TD, je vais te montrer comment finir ce niveau. Yes. Et voilà. C'est ici la sortie. Tellement parti, on sait pas où, là. C'est ici qu'il faut jouer. Allez, on va jouer à golf. Putain, les bugs. Merde, en plus, c'est même pas ici. Je me suis trompé de... Oh non! Epic fail de... Je me suis trompé de... Oh non, je me suis trompé... Ah, ok. C'est même pas ici, en plus c'est à gauche, c'est à droite, c'est un peu plus à droite en fait. Attends. Fais F12 sur moi.
En fait, ils ont fait comme Snow Mountain, tu vois. Il faut aller là. Tu tournes à gauche. Merde. Tu tournes à gauche. Tu fais un bon gros spin dash. T'arrives là. Et tu as fini. Putain, on dirait vraiment le trou dans lequel on était tout à l'heure. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je me suis trompé. En fait, ils ont vraiment tout pris. Même le truc de tourner à gauche. Ah, il y a vraiment tout pareil. Aucune originalité, sauf pour les textures. Ah, je suis vraiment déçu de la non-originalité de ce niveau. D'ailleurs, ce sera bien la première fois que la Sonic Team Junior m'aura déçu. Droit dedans. J'ai bien vu. En fait, ce sera ça le nouveau bruitage pour ton logo, pour ta chaîne. En plus, tu l'avais déjà utilisé, mais il faudra ajouter le petit bruit de spin dash. Qui veut bien dire que t'as essayé, mais... Epic fail. Ouais, ça devait être à l'époque de... Par contre, vieux, la fin du niveau... Logo. Par contre, la fin du niveau, c'est presque la même chose. Hein. Ah ouais. Y a pas grand chose à dire. Même et, caméra, on a le droit à un boss. Parce que pourquoi pas. Putain, mais... Ouais. Et tout ça, ça sort de versions mystérieuses enfouies dans les vieux disques durs de SSN Tales. Les versions douteuses. Je sais pas qu'il pouvait faire mal. Il a fallu s'introduire, cambrioler la maison des SSN Tales et de Johnny Wallbank. Faut les avoir. Oh. Je sens qu'on va le passer ce niveau parce qu'il est pas intéressant. Je sais pas, c'est pas une qu'on a déjà vue ça. Bah c'est justement. En plus. Bon allez, on va le faire histoire de bien montrer. Ouais, bien montrer. Bien montrer qu'on est nul et qu'on va mourir pour toujours parce qu'on n'a pas réussi, on est trop. Bon bah. Oula. Pas ah ouais peine, parce qu'en plus ça fait un bug de caméra dégueulasse. Bah oui. Oh, pour une fois, j'ai pas fait une seule erreur, je suis pas mort. Bon, je vais passer ça. Ah oui. Dark City. Putain, j'ai vu ça comme multi, ça. Dans de vieilles versions ? Ouais, du temps de la 1.10, Final Demo 1.0.x quoi. Et ce niveau existait déjà. Oh ouais, mais en multi par contre. Ah, c'était une map pour en bataille, non ? Ouais, je sais plus quel mode, mais bon. Ou c'était en coopération ? Non, pas en coop, ouais, c'était vraiment pour un mode multi quoi. Bah, ils ont dû faire quelque chose comme par exemple juste prendre. Ils ont dû juste prendre les textures et puis la musique et puis... Ouais, voilà, par contre, c'était une autre map, mais c'est la même zone, quoi. Ouais, ils ont pris l'environnement et... Ouais. Bon, je trouve ce niveau assez bizarre comment il a été fait pour le level design. Ça se répète vite, c'est pas bien grand, ou alors c'est trompe-l'œil. C'est pas bien grand et c'est trompe-l'œil. En fait, ils ont fait la totale quoi. Oh, mes oreilles. 4-5 blocs qui écrasent en même temps contre le sol. Oh bah tiens, je suis assis à... T'es pas bien loin toi. J'entends des bruits de Tails. C'est bizarre ça, ces barres là. Bah c'est des poutres. Bah tiens, te voilà maintenant. Putain, c'est vraiment que des niveaux bizarres, on sait pas où il faut aller. Ils
T'as essayé de faire plusieurs trucs avant de les abandonner, j'ai l'impression. J'ai aucune idée d'où on est censé aller. Puis alors, tu sais, quand t'as pas d'anneau et pas d'ennemis pour te guider le chemin. Non. En plus, on est retourné là où on était déjà allé. Non, mais ça sert à rien. Là-bas, on est déjà passé. Attends, c'est pas possible ça. On va dire qu'on a tourné en rond. Eh oui. Ah, oh, je crois que j'ai trouvé la fin du niveau. Ah, ça y ressemble. C'est pas la même chose. Oh, oui. Fin du niveau. Ah, ouais. Ah bah te voilà. Oh. Pas facile à trouver. Hein. Même moi, j'ai même pas forcément su où j'étais. J'ai eu le droit à un perfect. Pour une fois qu'on a le droit à un acte 2 qui est pas en son midi. Voilà. C'est incroyable, c'est tout des machins qu'à acte 2, acte 3 même. Bon, tu sais, pour pas trop se faire chier, faut voler. Oh putain, cet acte, je me rappelle. Oh, combien de fois je suis mort par l'eau empoisonnée. Oh bah tiens, d'ailleurs, cet acte, c'est d'ailleurs l'acte avec la fille qui me demandait « Est-ce que je suis belle ?» Ouais, c'est ça. Tu es un ensemble de textes, connasse. Tu es un texte rouge. En plus, c'était vraiment le cas, d'ailleurs. Bon, alors, on reprend. On va là. D'ailleurs, non, en plus, mais t'as vu à quelle vitesse je suis tombé, là? Je sais pas comment dire, ça me rassure ou si ça me... Je sais pas. Parce qu'en fait, moi aussi, la première fois que j'ai fait ce niveau, je suis tombé tellement de fois dans le... Et voilà. Par contre, c'est quand même pas très sympa le troll au début du niveau. Ah ouais. Putain, faut vraiment y aller doucement sur les virages. Ah ouais. Oui, mais je savais pas, moi. Hein. Ou alors tu voles, au pire. Moi, maintenant, à partir de maintenant, je vais voler avec Taze. Après tout, il sert qu'à ça. Hein. Ah ouais. En plus, il a un gros chemin suspendu en l'air. Il sert qu'à ça, il sert qu'à finir le jeu, c'est rien du tout. Il sert qu'à finir le jeu dans de meilleures conditions. Il sert qu'à finir le jeu plus facilement et en un deuxième joueur dans certains jeux. C'est à peu près tout. Ça, c'est quoi cette fin de niveau? Qu'est-ce que... Non mais niveau, c'est encore. Voilà. J'ai même pas envie de perdre mon temps là-dessus. Ah, Doom ce ship. Niveau. Alors, ce niveau, il est génial. Oh, je vais mourir. Ce niveau, tu vas ici, tu fais un spin dash, t'as gagné. Ok. T'allais mourir. Je saurais pas pourquoi. Je t'ai vu, t'allais mourir. Putain, c'est con, je veux même pas filmer quoi que ce soit. D'ailleurs, en plus, essaye de pas tomber parce que si tu tombes, tu passes énormément de temps en l'air. J'ai l'impression que toute la map se passe vraiment tout en haut du niveau. Parce que je sais pas, je dois passer 10 secondes en l'air avant de mourir. Là, j'ai cru que j'aurais pas réussi à... Ah bah... Tu vas passer beaucoup de temps... Oh non, à cause de toi, en plus, maintenant, Dr. Eggman, il est parti tout en bas. Et c'est bon, il est remonté. En plus, maintenant, c'est moi qui le traîne dans ma chute. Je l'ai entraîné dans ma chute et tu vas devoir attendre longtemps avant qu'il revienne.
Oh, ça sent mauvais. La seule chose que je crains, c'est qu'ils reviennent pas. Ah, ça Oula, va. non, il a pas fait Et son voilà. Metal Sonic. Non, il joue fair play. Ce qui est étonnant quand on sait que Metal Sonic était programmé pour Robotnik. Bon, au pire, je vais descendre. Hein. Ah oui. Je vais faire un test. Est-ce qu'il est possible de toucher le niveau? Ah, Aigrog. Alors, Aigrog, par contre, il a qu'un axe, je crois. Ah tiens, ça, on allait directement sur la partie gauche. Bah non, en fait, Aigrog, là, il est pas du tout pareil. Ouais, mais enfin, t'as vu là avec les trucs, les plateformes là. Aigrog, il est pas du tout pareil dans ce. Par contre, la musique est pas la même. Ouais. C'est celle de. Bah maintenant la musique elle est utilisée pour un niveau du joueur. Un multijoueur qui se passe dans le même environnement, quoi. Oui. Logique. D'ailleurs, dans ce multijoueur, j'utilise une petite technique quand on fait le tag pour me cacher. Avec ça, presque personne ne me trouve jamais. Mais je vais pas le montrer maintenant de toute façon. Ah oui, l'ascenseur le plus long du monde, mais qui est un petit troll parce que si t'attends beaucoup trop de temps, il va finir. Dès qu'il atteint son point le plus haut pour te déposer, il va finir par directement redescendre, du coup fais attention. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce chemin de fin de niveau. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès pour que les claustrophobes soient encore pires. Soient encore plus mal. La Ils ont fait récompense exprès doit de le. être que meilleure. Bah, le panneau, quoi. Bah ouais. Ils sont encore plus Et. contents de le trouver le panneau, quoi. Ben voilà. Et tiens. Tu l'avais demandé. Tu vas l'avoir. Oh la vache, avec l'icône, quoi. April Fools. Pourquoi April Fools? Je sais pas. Je suis même pas vu en plus. Et en plus, c'est à tous les Voilà. niveaux. Voilà, donc ce Ah, sera notre prochain long play. ça c'est génial, quoi. Oula. Chut, ils sont bleus comme nous, ils sont. Enfin, comme toi plus surtout. Ils ont vraiment tout fait. C'est bien Donc ce c'est. que officiellement il l'avait fait qu'avec le premier Robo Blast, ça. Waouh. Putain, je vais vite pour faire les niveaux, moi. Je fais que de rebondir sur les badniks. Oh! Ouh! Ouf! Ouf, voilà. Waouh. Waouh. Je sais pas si t'es. Moi non, t'es pas à côté de moi, mais ici il y a des bugs Waouh. graphiques. Oh, c'est joli. Joliment niqué. C'est bizarre, je vais plus vite que toi. Parce que je volais, moi. Enfin, pour une fois, c'est moi qui le finis. Ça arrive pas tout le temps. Ça arrive pas souvent. Allez, on y retourne. C'est la troisième fois qu'on fait le même, je sais. Tu vas finir par t'y habituer, t'inquiète pas. Et l'eau bleue, ça marchait déjà, alors? Non. Ben non. Putain, mais carrément, on marche dessus comme si de rien n'était, quoi. Bah au moins c'est bien parce que moi si tu fais une connerie, c'est pas trop grave. Ouais. Même pas grave du tout. Quoique, j'ai l'impression qu'on est ralenti. Ah ouais. Oui, tu vois, on va moins vite. Putain, mais ils ont mis ça les anneaux de manière bon, trois par-ci, trois par-là. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme connerie.
C'est pas du tout le même objectif que je pensais. Je pensais que l'objectif c'était de détruire tous les badniks. Non, en fait, c'est de récupérer un nombre d'anneaux. Bah oui, comme d'habitude en fait. Mais voilà. J'ai jamais eu autant de facilité à battre cet Eggman. Alors que pourtant, je trouve que ce Robotnik, il est très dur à battre. Il lance souvent. Bon. Bah, je trouve qu'il lance beaucoup. Putain, mais quand tu vois le niveau en plan. D'ailleurs, j'aime bien ce que quand tu joues le The Game Factory comme ça là, et que tu le joues en mode première vue, vu à la première personne, t'as l'impression de. J'ai l'impression de voir la pub de Sonic 2 au Japon là. Où tu vois Ah comme oui. si Sonic était en. Bah tu vois comme ce que Sonic voit quoi d'habitude. Et au moins, ce qui est bien, c'est que t'as pas les. Au moins t'es sûr de pas rentrer dans les murs. C'est le point positif. Hein. Et aussi tu peux jouer Tails. Surtout. Tu sais ce qui aurait été le pire, le mieux? Imagine s'il aurait fait le mode race avec les petits niveaux. Ah ouais, qui se répétait deux fois là. Là, tu sais, il devrait faire l'inverse. C'est la version TGF, la même map, mais adaptée en 3D. Comme ils l'ont fait avec le Special Stage. Mais bon, ça doit pas être réellement Oh, c'est d'un. Oh, adaptable. c'est bien fait ça, par contre. Ouais. Les espèces de trucs qui te poursuivent, ils les ont mis en arrière-plan. Comme ça, c'est moins dur à esquiver. Par contre. Ouais, ils ont réussi à mettre ce petit truc en 3D. T'en as du mal, hein. Ah ouais. Oh là là, on se fait vraiment gang bang. Je me rappelle plus qu'il y avait autant d'ennemis à l'origine. Bah moi non plus. Je pensais qu'il y en avait moins que ça, moi. J'étais allé relativement loin la version TGF de ça. Je suis pas venu ici pour me faire victimiser par des robots, moi. Hein. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ça, c'est vraiment con, ça. Tu te mets à voler pendant des minutes et des minutes. Et après, tu te rends compte que... Et après, Ah. tu te rends compte que. Désolé, oh, cette interruption. Faut que j'aille fermer ma porte, putain. À chaque fois tu crois que tu vas tomber dans le vide et en fait non. Ah bah oui mais. Bah putain pourquoi il retombe à côté, c'est pas normal ça. Eh je m'ai vu en rattraper deux. Ah, t'es là. Excellent. Putain, je vais même pas bouger. Ou un peu. Et saute! Bon bah vole alors. Tu t'es pas sauté, t'as qu'à voler. Oh putain! Eh mais putain! Tout ça pour faire ça! Alors! Oh non, non, non! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'ils étaient chiants ceux-là! Mais non! Ah, mais adapter le jeu pour ajouter des machins là. Des lampostes. Mais allez, mais vous êtes même pas là normalement! Putain, et tout à l'heure il n'y en avait pas là. Et alors, un problème de force là.
tout ça pour simplement faire ça. Ah bah oui. Il faut au moins qu'il le voit. Oula, oula. Ah non. Mais non, mais...